Les difficultés que nous avons eues avec la France, c'est essentiellement que ce n'était pas un partenariat qui était sincère, ce n'est pas un partenariat adulte qui permettait au Mali d'évoluer de façon autonome, d'assurer sa sécurité. Au contraire, c'était un schéma de dépendance où on a donné les alertes nécessaires, on a fait des propositions nécessaires pour aller dans la direction que nous souhaitons. Le partenaire n'a pas été capable de s'inscrire dans ce schéma. Nous en avons tiré les conclusions, il en a tiré les conclusions. Mais je crois que c'est une bonne chose pour le Mali parce que ce schéma nous amenait droit dans le mur. Donc la diversification aujourd'hui a porté fruit. Les résultats n'ont jamais été va-t-en-guerre et je crois que le dosage de notre Niamakoudji n'a jamais changé. Je crois que c'est le même, clairement difficile à cause de la tension que nous avons eue avec la communauté régionale pour les choix politiques qui ont été faits par le Mali. Pour la conduite de la transition. Mais après cette année, je crois qu'il y a des leçons à tirer. La première leçon, c'est que si on veut quelque chose dans la vie, il faut se battre pour ça. Au risque d'être un loup solitaire ? Je vais en venir à ça. Il faut se battre pour ça et ça a des conséquences, chaque choix. Si tu décides d'aller devant, c'est un choix. Si tu t'arrêtes, ça a des conséquences. Donc, pour moi, ça, c'est important, mais ce que nous en retenons, c'est d'abord la formidable résilience des Maliennes et Maliens auxquels nous avons assisté. Je pense que beaucoup au Mali, ici même à l'extérieur, ont été surpris de la capacité du Mali à s'accrocher à un choix et aussi à décider de ne pas se laisser marcher dessus. Mais maintenant, loup solitaire, je ne pense pas. Je ne pense pas, absolument pas. Bon, c'était des moments donnés, c'était temporaire, cette tension, mais je pense qu'aujourd'hui, nous l'avons vu avec la culture. Nous partageons beaucoup de choses avec même le voisinage immédiat et la culture peut être un vecteur encore pour renforcer les liens avec nos pays. Mais nous avons fait des choix où, je l'ai dit encore aujourd'hui, le Mali a des problèmes avec un pays et ce pays œuvre pour faire croire à tout le monde que notre pays est isolé. Malheureusement, certains commencent à croire le narratif que nous entendons de dehors. Mais ce pays-là est plus isolé que le Mali. Donc, même si nous prenons la culture, si nous prenons aujourd'hui le combat que mènent les Maliennes et les Maliens, ce combat, il est partagé à travers le monde entier, la diaspora, les communautés maliennes. Pour moi, c'est une question d'état d'esprit. Je crois que je serais très prudent dans ce type de narratif. Bon, on a eu des périodes de tension. Une diplomatie musclée alors ? Bon, pas nécessaire. Bon, une diplomatie, ça dépend de l'objectif qu'on cherche à un moment donné. Voilà. Donc nous, on s'est battu avec vigueur et combativité pour la défense des intérêts de notre pays. Voilà. Et on va continuer sur cette lancée. On n'est pas nécessairement à l'offensive contre qui que ce soit. Nous défendons les intérêts du Mali. Et nous allons les défendre avec les arguments qu'il faut, mais aussi avec nos principes. Le président l'a indiqué, si vous regardez tout ce qui s'est passé au cours de l'année, vous allez voir que nos tensions avec les uns et les autres étaient liées au respect de trois principes que le président a indiqués. Le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix de partenaires opérés par le Mali, et enfin, la prise en compte des décisions et la prise en compte des aspirations des Maliens dans toutes les décisions prises. Et quand vous regardez les incidents que nous avons eus en cours d'année, c'était parce que des situations sont sorties de l'application de ces principes. Nous en sommes tenus à ces principes. Souvent, il fallait assumer les conséquences qui viennent avec. Je crois que les relations internationales aussi, il n'y a pas de cadeau. Donc, nous voulons aller quelque part. Nous, on se donne les moyens. Et Dieu merci. Il y a un prix à payer, monsieur le ministre. Quand on muscle la diplomatie comme on nous a fait, il y a un prix à payer. Est-ce que nous sommes prêts à assumer cette ardoise ? Quel est le prix ? De se retrouver isolé, être un loup solitaire. Mais c'est ce que je dis, c'est une question de narratif. C'est une question de narratif. Mais sur quelle question vous trouvez qu'on fait loup solitaire ? Non. On a quitté le G5, oui, c'est ça que vous appelez loup solitaire. Non, on a quitté le G5 parce que c'est une organisation où le leadership est assuré par un pays qui n'est même pas membre de cette organisation, qui nie les droits du Mali. Bon, appelons le chat par son nom. Aujourd'hui, le déploiement de la France, c'est comme si vous avez abandonné votre principal partenaire en plein vol aussi. Écoutez, je pense que ce terme a été beaucoup plus utilisé par nous par rapport à cela.
Et les difficultés que nous avons eues avec la France, c'est essentiellement que ce n'était pas un partenariat qui était sincère, ce n'est pas un partenariat adulte qui permettait au Mali d'évoluer de façon autonome, d'assurer sa sécurité. Au contraire, c'était un schéma de dépendance où on a donné les alertes nécessaires, on a fait des propositions nécessaires pour aller dans la direction que nous souhaitons. Le partenaire n'a pas été capable de s'inscrire dans ce schéma. Nous en avons tiré les conclusions, il en a tiré les conclusions. Mais je crois que c'est une bonne chose pour le Mali parce que ce schéma nous amenait droit dans le mur. Donc la diversification aujourd'hui a porté fruit. Les résultats sont tangibles. Le 19 janvier, vous étiez à l'aéroport, vous avez vu les aéronefs qui ont été acquis, à peu près 11, qui ne constituent qu'une partie de ce que nous avons acquis. En 9 ans de présence française, je ne pense pas qu'on nous ait donné un seul hélicoptère et que le Mali puisse acheter sur ses propres ressources plus d'une vingtaine d'aéronefs en un an, sous sanction. Je crois qu'aujourd'hui, ça se voit sur le terrain avec les opérations militaires qui sont en cours et les résultats qui commencent à venir. Il y a une nette amélioration. En tout cas, notre armée est plus que jamais dans une posture offensive, capable d'opérer en autonomie avec des moyens aéroportés, les moyens aériens, des moyens de logistique de communication qui sont fondamentalement nos propres ressources. Donc nous sommes capables aujourd'hui de continuer à travailler pour renforcer la sécurité de notre pays. Monsieur le ministre, le dernier avec point... Avec les partenaires qui le souhaitent et des partenaires sincères et loyaux. Monsieur le ministre, le dernier point, c'est la détente avec la Côte d'Ivoire. Ça avait été très tendu et on a vu aujourd'hui une détente, un dénouement heureux. Quelle est votre pensée par rapport à ce problème et à son dénouement? Je dois dire que depuis le début de cette situation tendue au début avec la Côte d'Ivoire, la position du Mali n'a pas varié. Le Mali a indiqué, un, que ça, il s'agit de violations ou de débarquements de forces étrangères dans notre pays qui n'ont pas été faites dans des conditions qui respectent la souveraineté de notre pays et que, bon, c'est un dossier qui a été transmis à la justice, que la justice fera son travail, mais que nous comprenons que nos relations avec la Côte d'Ivoire ne se limitent pas à la gestion de ce cas précis. Donc il fallait, nous étions en tout cas ouverts à travailler avec la Côte d'Ivoire pour trouver une solution diplomatique et par le dialogue. Bon, je crois qu'il y avait eu des avancées, il y a eu la libération de 3 soldats et ensuite il y a beaucoup de gens qui se sont mis dans la danse pour d'autres intérêts, qui n'avaient même pas intérêt à ce que cette crise puisse se résorber. Ça nous a amené très loin, ces différentes interférences extérieures. Finalement, je crois qu'on est revenu à cette même stratégie où nous avons pu adopter un mémorandum d'entente avec la Côte d'Ivoire qui puisse nous aider à travailler pour renforcer des relations d'amitié, de fraternité et de coopération avec la Côte d'Ivoire et de créer les outils nécessaires pour pouvoir faire le travail, pour renforcer la confiance entre nos deux pays. Aujourd'hui, je me réjouis que nous aurons pu arriver à ce niveau d'apaisement. Il est important que nos deux pays continuent à travailler dans cette direction et aussi que les engagements qui sont pris aussi puissent être respectés pour que nous travaillions davantage à renforcer les relations entre nos deux pays, à amener la quiétude entre nos deux pays parce que nous avons beaucoup d'autres défis à relever ensemble. Mais encore une fois, nous souhaitons que d'autres ne viennent pas mettre le pied dedans parce que nous sommes des pays voisins, nous sommes des pays frères. Et chaque fois qu'on nous a donné l'occasion de travailler ensemble, je pense que nous sommes en mesure nous-mêmes de trouver la solution et nous remercions la médiation togolaise parce que ça a été une réponse essentiellement africaine malgré les positionnements des uns et des autres qui ont essayé d'envenimer la situation au lieu d'apporter une solution. Monsieur le ministre, nous arrivons un peu vers la fin de cet entretien. Si on nous oriente maintenant vers les perspectives, empruntant un mot au président ivoirien Alassane Ouattara, avec ce lancement de la diplomatie malienne ici à Ségou, est-ce que vous allez mettre un peu d'eau dans votre Nyamakoudji en 2023 en étant moins va-t-en-guerre? Je pense qu'on n'a jamais été va-t-en-guerre et je crois que le dosage de notre Nyamakoudji n'a jamais changé. Je crois que c'est le même.
Le Mali fonctionne sur la base de principes. Encore une fois, je rappelle les trois principes qui ont été édictés par le chef de l'État, c'est ce qui nous guide. On n'a jamais été va-t-en-guerre, y compris avec la Côte d'Ivoire, où nous avons pensé qu'il y a des choses qui se sont passées, qui sont inacceptables, mais nous avons toujours dialogué avec la Côte d'Ivoire, nous avons toujours privilégié le dialogue. Mais encore une fois, c'est une question de narratif, parce que c'est les autres qui pensent que nous sommes va-t-en-guerre, nous sommes ceci, cela, et vous avez vu que quand les pas nécessaires ont été faits dans la bonne direction, les choses se sont décantées tout de suite. Ça veut dire qu'il y avait des fauteurs de troubles qui faisaient tout pour qu'une solution ne vienne pas. Je ne pense pas que notre Niamakoudji ait changé. C'est le même. Et je crois qu'on va continuer à le consommer tel quel. Monsieur le ministre, avant dernière question que je m'en voudrais de ne pas poser. Quand je rencontre beaucoup de journalistes qui ne comprennent pas votre engagement en tant que grand diplomate chevronné expérimenté dans une période aussi trouble que le Mali connaît, pourquoi vous décidez de sacrifier votre carrière? Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui posent ce type de questions, mais je crois que Abdoulaye Diop est insignifiant au regard de notre pays, au regard des défis auxquels nous sommes confrontés, et à des moments, je pense qu'il est important, si nous croyons à quelque chose, que nous puissions aussi nous sacrifier, faire les pas nécessaires, parce que je suis fils de ce pays. Ma préoccupation, je veux laisser un pays où demain, après-demain, nos enfants puissent vivre dans ce pays, dans la dignité, dans la prospérité et dans la sécurité également, et que notre pays fait face à des enjeux énormes. Si je suis né dans, je suis de ce pays, et j'ai tout eu de ce pays, quand le pays a besoin de moi, je pense que c'est un minimum pour moi de m'engager. Comme je l'ai dit, chaque choix, il y a un prix, il y a un coût, mais je pense que nos individualités ne sont rien à côté de notre pays. Et c'est pourquoi j'ai décidé d'accompagner cette équipe, parce que je partage la vision qui est là. Et je suis convaincu que notre pays mérite d'être respecté, mérite d'être grandi, a droit à la sécurité, et que si mes talents que j'ai acquis en allant à l'école ici au Mali, si ceci peut porter à notre pays, je le ferai pour mon pays. Je pense que je n'ai pas à hésiter un seul instant. Si c'était à refaire, je pense que je ferais tout ce qui est possible. Et pour moi, c'est ce qui est important, que demain, on ne dise pas que j'étais là en spectateur face à une situation où j'aurais pu contribuer et je ne l'ai pas fait. Monsieur le ministre, le mot de la fin. Bon, le mot de la fin, je crois que c'est d'abord de remercier Mali Online pour le travail extraordinaire que vous faites avec un niveau, en tout cas avec équilibre. C'est important pour nous, vos téléspectateurs. Je crois que ce que nous faisons ici et qui porte sur la culture, il est extrêmement important pour nous de comprendre aujourd'hui la culture, l'information sont des enjeux extrêmement importants pour chacun de nous. Et que pour cela, il faut que nous-mêmes nous ayons un armement moral extrêmement important pour résister à cette désinformation, à même cette acculturation. Pour moi, la culture est une dimension essentielle pour nous, pour comprendre le monde, pour pouvoir résister à cela. Moi, j'espère que le travail que nous allons tous faire, nos pays souffrent plus, à mon avis, de problèmes de perception. Et les gens essaient de nous coller des étiquettes. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, nous-mêmes, nous commençons à répliquer ces étiquettes ou à y croire. Je crois qu'il est extrêmement important que chacun de nous, citoyens, les gens dans les champs, partout, que nous prenions le recul nécessaire, que nous essayons de comprendre ce qui se passe autour de nous, l'information ou la désinformation qu'il y a. Il faut avoir vraiment un sens de discernement pour pouvoir comprendre ce qui est en jeu et qu'on ne nous instrumentalise pas nous-mêmes pour pouvoir faire du mal à nos pays. À mon avis, encore une fois, l'information est une donnée essentielle qu'il faut que nous-mêmes nous en soyons les auteurs et que nous maîtrisons notre propre narratif, même si nous ne disposons pas toujours des moyens de communication. C'est pourquoi il est extrêmement important que des Africains comme vous, que les États africains investissent dans les moyens de communication. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, dans le temps, même les colonisateurs ou les forces qui veulent dominer nos pays, ils devaient envoyer des soldats. Aujourd'hui, on ne le fait pas. C'est l'économie de l'intelligence.
ce qu'on veut que vous fassiez, vous ouvrez la télévision, vous ouvrez votre téléphone, on vous dicte exactement ce que vous devez faire. Donc votre téléphone, depuis le matin, fixe l'agenda pour vous. Donc nous devons être conscients de tout ça, que nous sommes dans un monde où, nous-mêmes sans se rendre compte, on devient des instruments d'un agenda inconnu et qui ne sert pas nécessairement notre intérêt. Je remercie M. le ministre Ablaye Diop pour ces questions à bâton rompu. Merci de nous avoir invités ici à Ségou. Et merci également à tous les diplomates, à tous ceux qui ont eu l'amabilité de nous...